Alors c'est une démarche qui a été initiée par l'association Survie, que je représente ici. C'est une démarche qui se veut, comme je le disais, collective et qui se veut aussi transdisciplinaire dans la mesure où ce sujet, démocratie, corruption, nous amène à étudier à la fois des sujets d'ordre économique, politique, des sujets de droit et peut-être même aussi des sujets philosophiques. Et je fais un petit clin d'œil à notre ami Alain Deneau, philosophe de formation, à qui je dois d'ailleurs cette réflexion sur la transdisciplinarité. Il nous parlera tout à l'heure aussi de sa vision des choses. Alors, cette démarche, elle s'inscrit autour d'une volonté partagée. Énoncer et défendre des valeurs autour de cette thématique qu'est la démocratie, le besoin de les affirmer collectivement, de les affirmer ensemble, le besoin aussi de mutualiser toutes ces connaissances accumulées sur les mécanismes confiscateurs de ces valeurs et qui contribuent justement au rôle de la corruption. Et puis il y a aussi le besoin de réfléchir à des propositions concrètes, à des mobilisations collectives. Besoin aussi de capitaliser tous les combats passés, les combats actuels qui ont permis de faire avancer un petit peu les choses, d'inscrire de nouvelles lois, de mener des combats à l'échelle internationale. Donc c'est aussi pour ça qu'on se retrouve, c'est pour créer une petite caisse de résonance qui puisse déboucher sur des luttes futures. Alors, je ne vais pas me lancer dans une définition des termes trop fastidieuse, surtout autour du mot démocratie, on pourrait y passer des heures. Ce qui est important, c'est de voir autour de ce vocable démocratie, quels sont les éléments socles, les valeurs que nous défendons collectivement et qui seront, on va dire, discutées à travers les trois ateliers qui vont suivre. Ces valeurs, c'est avant tout la notion de participation, de contrôle, de transparence, de défense de l'intérêt général, la notion de probité, de justice, de justiciabilité, la notion de représentativité aussi, d'indépendance, et pourquoi pas aussi la notion de répartition des richesses. Ce combat pour la démocratie, c'est un combat largement international, et d'ailleurs, il y a quelques mois, et c'est un phénomène qui continue, toutes les mobilisations autour des indignés ont prôné un peu partout dans le monde un concept de démocratie réelle. Donc j'imagine que cette démocratie réelle, c'est un petit peu la somme de tous ces éléments que je viens de citer. Le combat pour la démocratie, on le retrouve dans le monde entier. On a aussi ici un témoignage, celui de la Fédération des Congolais de la diaspora, qui depuis très longtemps lutte pour la démocratie dans son pays, le Congo. Et puis, pour rebondir sur l'actualité, ce combat pour la démocratie, il peut être aussi brandi comme porte-étendard au niveau diplomatique. Et je ne sais pas si vous avez écouté notre président de la République hier faire son discours sur la démocratie en Afrique, alors qu'il a choisi de se rendre à Kinshasa, en République démocratique du Congo, fouler donc les pieds d'une dictature et y rencontrer un certain nombre de chefs d'État, puisqu'à son programme officiel, nous avons le chef d'État camerounais, le chef d'État congolais, des États parmi les plus corrompus au monde. Mais voilà, François Hollande a décidé qu'il défendait la démocratie. Donc évidemment, on peut s'interroger autour de cette définition. Alors, toutes ces valeurs que j'ai énoncées tout à l'heure, elles ont évidemment cet ennemi commun qui la met à l'épreuve, la corruption, un ensemble de mécanismes de prédation, de détournement, et de mécanismes assez complexes qui rend nécessaire justement une approche un peu transdisciplinaire. Cette corruption, on entend parler couramment, mais aussi ponctuellement à l'occasion notamment d'affaires, de grandes affaires qui émergent, qui éclatent, qui impliquent directement parfois des élites françaises. Donc on a eu toute une litanie, un lot d'affaires qui ont mis sur le devant de l'actualité des phénomènes de corruption massive. Le Carrefour du développement, l'affaire Urba, l'affaire Elf, l'Angola Gate, l'affaire Karachi, etc. L'affaire Bettencourt, n'oublions pas, etc., etc. Alors ces affaires, elles sont documentées, il y a des enquêtes, elles sont instruites, il y a aussi des poursuites judiciaires. Elles peuvent aboutir à des condamnations, même on pourrait dire quelques rares condamnations, et leur retentissement permet d'améliorer, au moins à la marge, un certain nombre de mécanismes. Des lois sont votées, des dispositions parfois sont prises, des dispositions préventives au niveau national et international. Mais en soi, ces affaires ne parviennent pas à faire aboutir un changement radical du système. Et là, ça nous amène à nous interroger un peu sur ce qu'est la corruption. La corruption, ce n'est pas un épiphénomène, ce n'est pas une petite chose, ce n'est pas une dérive marginale, ce n'est pas une dérive d'individu. C'est un phénomène au cœur de systèmes économiques, institutionnels, financiers, peu vertueux, qui la tolèrent, la développent, l'inscrivent même comme un rouage de leur propre fonctionnement. Elle est structurelle, on peut le dire, tout comme les paradis fiscaux et judiciaires sont un élément structurel des mécanismes financiers à l'échelle mondiale. Pour certains, la corruption, c'est aussi une forme de fatalité. L'argent peut tout acheter. Donc la corruption est là, elle est là partout.
François-Xavier Verschave, qui était président de l'association Survie, disait qu'avec quelques milliers d'euros, on ne peut pas acheter tout le monde. Mais dès qu'on peut mettre des millions d'euros sur la table, il n'y a que les saints qui peuvent résister. Et les saints ne sont pas nombreux dans ce monde. Il y a quelques années, j'interviewais un résistant congolais de la campagne Publiez ce que vous payez, qui nous disait, mais actuellement au Congo, avec la montée des cours du pétrole, notre président peut acheter tout le monde. Il a tellement d'argent à disposition, le pétrole lui ramène tellement d'argent, qu'il est vraiment en capacité d'acheter 95% des opposants. Il faut vraiment, vraiment, vraiment être motivé, il faut vraiment être intègre pour continuer à résister. Donc on l'a dit, la corruption est au cœur du fonctionnement de certains États, et pas seulement l'État gabonais ou l'État congolais d'ailleurs. Elle est aussi au cœur du fonctionnement de certaines entreprises, notamment dans certains secteurs, comme l'armement, où commission, rétro-commission sont des éléments structurels de l'activité. Et puis elle a été aussi, elle est peut-être encore sûrement, un élément de financement de la vie politique française. Alors, une illustration, le combat de survie, l'association que je représente. Une association qui s'est créée sur une base généreuse, l'idée dans les années 80 de faire adopter une loi internationale pour financer pour la lutte contre la pauvreté, avec des militants qui un peu partout en France sont allés réunir des maires, des députés pour essayer de faire voter une loi pour que l'État consacre une partie importante de son budget à la lutte contre la pauvreté. Et puis ces militants, même ces députés se sont heurtés à quelque chose d'assez simple, c'est qu'il était hors de question pour l'exécutif de mettre à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale une telle loi qui empiétait sur l'aide publique au développement, qui empiétait sur tous les mécanismes financiers entre la France et l'Afrique. Et à travers cette résistance structurelle, les militants de l'association à l'époque ont commencé à s'intéresser au-dessous de cette relation. Et ce qu'ils ont découvert, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a un système qui est au cœur du système. On a un système institutionnel en France qui a permis la domination d'un certain nombre d'États africains, à travers des mécanismes de domination monétaire, militaire, à travers des entreprises qui se confondent parfois avec l'État, à travers des entreprises qui ont recours à la corruption massive, des entreprises qui, par rétrocommission ou autre, financent la vie politique française. Un système qui vit grâce aussi au développement des paradis fiscaux et judiciaires, et qui utilise pour s'entretenir et pour continuer à exister des mécanismes peu vertueux, des mécanismes de corruption, la liquidation d'opposants, le recours à des mercenaires, le détournement de cargaisons pétrolières pour obtenir de l'argent frais et liquide, tous ces mécanismes-là que l'on trouve dans la plupart des grands scandales de corruption aujourd'hui, et que finalement la France-Afrique, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle à survie, a largement permis d'installer, de développer. On a un système qui a été parfaitement rodé, et notamment à travers cette relation entre la France et l'Afrique. Alors pourquoi ce système perdure encore ? Il y a plusieurs explications. On constate la lenteur de la justice, on constate beaucoup de choses, on constate parfois un désintérêt des médias à certains égards, mais on constate surtout une forme de continuité dans la vie politique française sur des élites qui se renouvellent peu, qui cautionnent un système que leurs prédécesseurs ont mis en place, des présidents de la République qui s'installent confortablement dans le fauteuil de leurs prédécesseurs, des députés qui, une fois devenus ministres, dénoncent ou n'osent pas dénoncer ce qu'ils dénonçaient auparavant, et puis globalement, des nouvelles générations politiques qui s'installent en fait dans la ligne droite de ce que certains prédécesseurs ont créé, diffusé comme système diplomatique et politique. On a très peu entendu François Hollande critiquer la politique que François Mitterrand a menée en Afrique. Il a certes cité la France-Afrique, il faut changer, etc. Mais globalement, à aucun moment, on a entendu ces gens se démarquer radicalement de crimes passés, décrire le système tel qu'il était. On entend juste dire de temps en temps qu'il faut tourner la page, mais globalement, on n'ose pas s'attaquer aux racines du mal. Alors cette continuité, heureusement, elle existe aussi dans les luttes. Et c'est ça qui nous rassemble aujourd'hui. Toutes ces affaires dont j'ai parlé, on les doit à quoi ? À un travail de journaliste, un travail d'enquêteur, un travail de magistrat qui ont osé braver les obstacles qui étaient dressés sur leur route, travail des syndicalistes, travail d'associations, de droits de l'homme, qui ont eu à cœur de documenter ces affaires, de les porter devant la face publique, de déposer des plaintes. Des associations comme Sherpa se sont aussi constituées pour que la société civile soit en capacité de déposer des plaintes dans un certain nombre d'affaires. Et aujourd'hui, cette caisse de résonance collective, transdisciplinaire, elle trouve une concrétisation, on va dire, aboutie avec l'existence de ce type de séminaire. J'ai dit séminaire, au début j'ai dit forum, mais comme on n'est pas très nombreux, hein, vous pardonnerez. Où justement, on va pouvoir travailler sur des pistes de mobilisation. Et j'espère, alors je ne sais pas encore si on va avoir l'occasion de se séparer et de se réunir à la fin, ou si on va tout faire dans la même salle,
un vote démocratique est en place parmi les organisateurs de la journée. Qui a acheté qui? On décide quoi? Donc nous allons rester ensemble, comme ça, dans... Voilà, donc je vais pas être plus long, je vais passer tout de suite la parole à Eric Halt, du syndicat de la magistrature, et puis ensuite on continuera directement sur les tables rondes. Merci pour votre attention. Merci. Je voudrais d'abord rappeler que le préambule de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 proclame que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements. Donc dès 1789, le préambule fait un lien entre corruption et malheur public, et il définit aussi les moyens d'y résister, l'égalité devant la loi, la liberté d'expression, le droit pour les citoyens de demander compte aux agents publics de leur administration, l'égale admissibilité aux emplois publics, la séparation des pouvoirs. Ensuite, l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme proclame que le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Alors, à partir de quand faut-il parler d'oppression dans une société démocratique quand la décision publique est confisquée par quelques-uns? À partir de quand faut-il parler d'oppression quand la richesse publique est confisquée, accaparée, frauduleusement accaparée par quelques-uns? Alors, les indignés disaient « Nous sommes les 99% qui ne tolèreront plus longtemps la cupidité et la corruption du 1% restant. » Aujourd'hui, sans doute que la crise décuple notre capacité d'indignation, mais aussi notre force de résistance, et les principes qui fondent la République peuvent nous aider dans cette résistance. Le peuple a aussi une souveraineté d'empêchement. Alors, nous connaissons, associations qui organisons le forum de longue date, soit parce que certaines associations ont pour objet essentiel de lutter contre la corruption, Anticor, Sherpa, soit parce que d'autres ont réalisé que leur finalité, que leur objet ne pouvait être atteint qu'à partir du moment où on lutte aussi contre la corruption, que la corruption entrave la réalisation de cet objet. Par exemple, le principe d'égalité devant la loi, que le syndicat de la magistrature est particulièrement attaché, il n'existe plus dès lors que certaines affaires ne sont pas instruites comme elles devaient l'être. L'aide au développement, évidemment, ça a été rappelé un instant, ne peut pas être réalisée, concrétisée, si l'essentiel des sommes, ou une part trop importante des sommes, va à la corruption. Alors, ce qui n'avait pas encore été proposé, c'est une vision globale d'une autre démocratie possible, peut-être pas une démocratie sans corruption, comme le dit le programme de la journée, mais au moins une démocratie où la corruption serait endiguée, serait repoussée, au lieu de progresser. Alors, parce que nous avons de nombreux points communs, nous avons aussi une continuité de lutte, nous avons eu de nombreuses occasions de travailler ensemble, de nombreux appels ont été lancés, depuis l'appel de Genève jusqu'à l'appel des 82 juristes à agir contre la corruption en juin dernier. Chaque association a formulé des demandes adressées aux candidats aux élections présidentielles. Ces demandes, pour ce qui nous concerne, ont été pour la plupart favorablement accueillis par le président élu. Et ce sont des promesses donc, du président élu, d'autant plus importantes que nous sortons d'un quinquennat où la corruption n'a pas vraiment été la priorité. Rappelez-vous, dépénalisation du droit des affaires, proposition de suppression du juge d'instruction sans modification du statut du parquet. Bref, l'idéal promis d'une République irréprochable n'a pas vraiment été atteint. Pourtant, aujourd'hui, dans une démocratie normale, ce qui serait normal, ce serait que les élus s'efforcent de tenir leurs promesses, s'efforcent de les tenir, surtout quand elles ne coûtent rien en termes économiques, et c'est le cas de la plupart des mesures que l'on peut imaginer pour lutter contre la corruption. Et je dirais que ces promesses sont d'autant plus importantes qu'aujourd'hui, en temps de crise, on ne peut pas imposer l'austérité au plus grand nombre sans s'attaquer aussi à la manière dont la richesse s'évapore au bénéfice de quelques-uns. Donc, si le changement, c'est maintenant, la lutte contre la corruption, c'est aussi maintenant. Alors, cette lutte doit être locale et globale. Le défi de l'intégrité concerne aussi bien la vie quotidienne que l'ordre du monde. C'est pourquoi trois perspectives ont été dessinées dans cette conférence. Le défi de l'intégrité dans la vie politique, ce qui ouvre la voie à la corruption, par exemple les conflits d'intérêts, cumul des mandats,
marché public insuffisamment contrôlé, lanceurs d'alerte non protégés. Et puis, second axe de réflexion, le défi d'une justice qui se rapprocherait enfin de l'idéal où la loi serait égale pour tous. Et là, il faudra réfléchir sur le statut du parquet, en état de coma dépassé, a dit un ancien procureur général de la Cour de cassation, mais aussi sur le secret défense, très singulier en France, qui a nul autre comparable dans des démocraties européennes. Nous avons payé 460 millions d'euros dans l'affaire des frégates pour ne pas connaître les responsables, il faut toujours le rappeler. Que faire des biens mal acquis, des fois qu'ils pourraient être confisqués. Puis ensuite, dans une perspective plus mondiale, relever le défi que représentent les dérives de la sphère financière en général et celle des multinationales en particulier. Et là, il pourrait être question de la régulation des entreprises transnationales, de l'amélioration de la lutte contre la fraude fiscale et les paradis fiscaux. Contre eux, il pourrait être aussi question des outils proposés à l'échelle européenne, soit par Finance Watch, outil très précis pour lutter contre la fraude en matière financière, ou aussi du parquet européen. Abraham Lincoln disait, c'est en gardant le silence, alors qu'il devrait protester que les hommes deviennent des lâches. Nous ne garderons pas le silence, nous allons au contraire libérer les forces imaginantes du droit pour nous arracher à la pesanteur du monde et nous projeter dans un autre monde possible, pour faire en sorte que par notre volonté et par notre action, les utopies d'aujourd'hui deviennent les réalités de demain.